OTEP, cher Camille, je vais faire un partage, comme je vous ai promis à la vidéo précédente. Je vais faire un partage en ce qui concerne les signes de la chute. Les signes qui prouvent que vous devez faire très attention et que vous pouvez chuter d'un moment à l'autre. Peu importe ce que vous faites comme activité, que ce soit dans la politique, que ce soit vous avez une entreprise, que ce soit n'importe quoi. Donc, les signes qui prouvent que la chute n'est pas loin. Et j'aimerais ici vous rappeler que d'après nos connaissances Kamit, nous avons donc la possibilité de d'inverser les pôles. Parce que quand vous êtes en chute libre, quand vous avez des difficultés, vous avez des blocages. Ça symbolise, c'est juste une résultante de votre vibration, une résultante aussi de vos actions, de vos actes. Néanmoins, il n'y a pas de fantôme, il y a toujours possibilité de rectifier les choses avant qu'il ne soit trop tard. Parce que tant qu'il y a, comme on dit souvent, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Donc tant qu'il y a le souffle, il y a possibilité de. Il y a possibilité de rectification, il y a possibilité d'arrangement, il y a possibilité de compensation. Alors, le premier signe parmi les 9 signes à retenir et qui symbolise l'alerte, le premier signe, c'est vous rêvez, vous êtes dans la fête. Vous rêvez, il y a une grande fête quelque part. Ça symbolise pas toujours des événements heureux à venir. Ça peut symboliser le deuil, ça peut symboliser la perte d'un proche ou ça peut symboliser tout simplement votre activité ou ce qui vous tient à cœur. Par la suite, vous avez la descente des escaliers. Vous rêvez, vous êtes en train de descendre des escaliers, vous descendez une montagne. Ça symbolise aussi une descente vibratoire, ça symbolise la voie vers la chute. Ensuite, vous avez. Vous rêvez du. On vous a décapité. Ça, c'est quelque chose de très dangereux. On vous a décapité, ou alors. Voilà. Vous êtes fusillé, vous êtes décapité. Je lance la tête. Hein, la tête. Vous êtes décapité. Ça symbolise ici votre chute. Ça symbolise que vous perdez votre pouvoir, vous perdez les pieds sur terre. Donc, quand vous avez rêvé, on vous a décapité, c'est un rêve très dangereux. Et je pense même, quand on est encore chrétien, il y a une histoire de Joseph qui disait les rêves. Quand il était en prison, il y a, je ne sais plus trop qui a rêvé, se faisait décapiter. Et Joseph lui a dit que la personne allait mourir. Et dans les jours qui suivent, la personne est morte. Donc, pas forcément pas décapitation, mais elle est morte. Donc, tout ça pour dire que c'est les symboles universels et les mystiques le savent. Alors, le quatrième point, c'est que vous serez en disharmonie avec la basse-cour, avec les animaux. Les animaux n'auront pas envie de s'approcher de vous. Les chiens vont vous détester pour rien, les chats vont vous détester pour rien. C'est parce qu'il y a une mauvaise énergie qui est en vous. Voilà, et cet animal-là va donc ressentir ça. Même si vous touchez des plantes, voilà, il y aura également un problème avec. Et en ce qui concerne les animaux, toujours, il y a, si vous rêvez, vous faites attaquer par une panthère noire, vous rêvez, vous êtes mordu par un serpent et ça saigne. On vous a coupé le bras, on vous a coupé et ça saigne, tout ça, c'est les signes de la chute. Ça fait très attention avec ça. Également, si vous touchez des plantes, vous allez voir, elles vont faner. Toutes les plantes, elles ne grandissent pas. Ça, c'est des signes de la chute. Mais quand vous êtes, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, quand vous êtes dans des bonnes vibrations, si vous touchez des plantes, elles vont bien grandir. Mais puisque vous êtes dans les basses vibrations, c'est difficile pour vous. Alors, quand vous allez toucher des plantes, elles vont plutôt faner. Et par la suite, il y a aussi des plumes. Vous allez plutôt venir voir des plumes. Toujours en noir blanc, mais. Ça sera le côté blanc et le côté noir à la fin. C'est-à-dire que vous êtes allé de l'avant et en arrière, il y a le blanc et en avant, il y a le noir. Ça veut dire qu'il faut faire attention. Voilà.
Ensuite, vous avez rêvé, peut-être vous êtes en train de vous voler de l'or. Vous êtes en train de. On vous arrache un sac, on vous arrache de l'argent, on vous arrache des choses. Voilà, ça symbolise ici également que c'est la chute qui arrive. Il faudra faire attention. Ensuite, vous pouvez rêver des militaires. Il y a les militaires qui. Vous allez voir les militaires, mais ici, les militaires ne seront pas armés. Je rappelle que quand les militaires sont armés, ça, c'est la paix. C'est l'entente. C'est ça l'envers des rêves, c'est pas envers le froid. Mais quand les militaires ne sont pas armés, il manque quelque chose. Des armes. Le militaire doit avoir son arme. Il n'est pas armé, ça veut dire qu'il faut se préparer. Il y a quelque chose qui va venir sans que vous ne voyez la chose venir. Vous faites très attention. Bon, c'est une alerte. Et pour finir, il y a le fait de voir un grand feu. Ouais, le feu là, il s'éteint. Vous allez éteindre le feu, le gaz, le feu. C'est pas. Voilà, ça c'est aussi un signe de la chute, un signe de l'échec. Alors, j'ai partagé cela pour aider. Parce que peu importe ce que vous faites comme activité, quand on fait des vidéos, on l'envoie sur YouTube, on ne sait pas qui les regarde. Vous pouvez être dans un groupe d'armée, vous faites de la politique, vous faites des affaires, vous faites je ne sais pas trop quoi. Et vous avez l'un des signes, quand vous êtes en train de négocier le contrat, vous avez l'un des signes, quand tout tourne déjà bien, vous avez l'un des signes qui vient ou qui se répète, alors ça veut dire que la chute est là, elle est là. Dans certains pays, les directeurs, on les arrête tout le temps, on les envoie en prison. Vous travaillez, on vous arrête, on vous envoie en prison, tout ça. Ça, c'est des signes, non? Ceux qui sont en prison, ceux qui sont dans la merde, qui ont eu des moments où ils brillaient, ils vont se reconnaître dans ces signes que j'ai partagés comme ça avec vous. Ils vont se reconnaître. Et s'ils avaient su à l'époque, ils ne seraient pas dans ces problèmes-là. Donc, si vous avez dans ces signes-là, il y a possibilité, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de fantôme dans notre tradition. Et quand vous ne connaissez pas les sciences des anciens, ben, vous êtes dans la merde. Pour que les gens se retrouvent dans la merde, par surprise, parce que justement, il y a eu des signes, il y a eu des symboles, mais comme ils ne savaient pas ce que c'est, parce qu'ils n'ont pas cette connaissance, ils ne savaient pas ce que c'est, ils ne savaient pas symboliser ces signes-là, ils ont pris les choses à la légère, aujourd'hui ils se retrouvent en tort, ils se retrouvent dans des problèmes sérieux. Or, si ils avaient fait attention à ces signes-là, et ils avaient eu des clés pour pouvoir modifier ces fréquences-là, pour pouvoir changer les choses, alors ils ne seraient pas retrouvés dans la merde. Voilà, c'est le partage pour aujourd'hui. Pour ceux qui sont intéressés par le livre Art de rayonner, je le rappelle toujours, il n'en reste pas assez. Ceux qui sont intéressés par le livre Art de rayonner, priez de me contacter en inbox, il va vous laisser mes coordonnées. Ceux qui sont aussi intéressés par la formation Art de rayonner, elle est disponible en live. Et ceux qui sont intéressés par le cours complet, quand il y aura eu 15 mois également, vous pouvez me contacter. À très bientôt, chers amis, et au TEP.